L'ennemi de mon ennemi est mon meilleur ami, est-ce que tu le sais? Dans cette vie de merde, va récolte de ce que l'on sait. T'as plus à parler, t'as plus j'évolue. Ferme un peu ta gueule, augmente le volume. Augmente le volume, je les écoute rapper toujours en sinus. Je sais ce qu'ils souhaitent, je sais qu'ils m'envient. Veulent que j'arrête, que je pose la manette, mais c'est impossible. Comme donner le nom de mes potes en hashtag. Mais qu'avant des grammes, mais qu'un boss sur Instagram. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis au studio, y'a 6 blocs avec nous. Ça va ou quoi, poto? Tranquille et toi, frérot? Ouais, toujours, alors déjà, je te laisse te présenter. Moi, c'est 6 blocs, je rappe depuis 9 ans, depuis que j'ai 9 ans. Et là, ça doit faire une dizaine d'années que je rappe, j'essaie de rouler ma bosse, un peu comme tout le monde. Je viens de Bordeaux, Lormont. Et voilà, on est là, frérot. Ouais, puis t'as eu l'idée comment de commencer le rap, toi? J'écoutais Rof à fond. J'écoutais beaucoup de Rof. Et tu sais, je commençais à m'intéresser aux textes. Et j'ai vu que quand j'écoutais des textes, tu vois, tu te ressens dedans. Et ça m'a donné de la force, tu vois. Et j'avais envie de retranscrire ce truc-là. Du coup, j'ai commencé à rapper, j'ai écrit des textes. J'essaie de me... Voilà. Ouais, bien vu. Puis ça vient d'où ton blaze, 6 blocs, ça vient d'où? 6 blocs, c'est... Il faut que tu le lis à l'envers, bloc 6. En fait, c'est de là où tout a démarré. Tu vois, j'ai grandi dans le bloc 6. Et c'est de là où mes premiers textes, mes premiers trucs, mes premières conneries, c'est de là que tout part, en gros, tu vois. Ouais, ça, puis je te cache pas, gros, la première fois qu'on m'a dit 6 blocs, ouais. J'ai dit, wesh, après 13 blocs, il y a 6 blocs, c'est un truc de ouf. Mais tu sais quoi? Ouais. Carrément, 6 blocs, je l'ai... Parce qu'avant, c'était pas ça, mais 6 blocs, j'ai décidé 6 blocs, alors que j'écoutais 13 blocs, sans penser qu'il y avait 13 blocs. C'est une dinguerie. Mais ah, ouais. En vrai... C'est deux trucs différents et tout. Ouais, c'est sûr, c'est différent. C'est justement, tu définis comment ton style de rap, toi? On va dire j'ai commencé genre en mode énervé. Je cherchais pas vraiment de sens à mes phrases, à mes textes, tu vois. Mais après, tu vois, je me suis calmé et là, j'essaye d'approfondir mes textes. Je cherche à donner un sens, de la valeur, tu vois, à mes morceaux. Donc aujourd'hui, je dirais propre. Propre et ça évolue. Voilà, franchement, évolution. Ouais, évolution, on va dire. Alors, t'as sorti un album, il me semble. Je vais te laisser en parler. Ouais, j'ai sorti une mixtape sur Haute Culture en 2016, je crois. Ou 2017, je sais plus. Ouais, j'ai sorti une première mixtape. C'était une idée de l'ingé, là où j'ai enregistré. C'était une petite idée. Comme ça, on l'a sorti pour voir les retours un peu et tout, comment ça se passait et tout. Moi, c'était mon premier truc. On a eu des bons retours, malgré qu'on n'ait pas connu tout ça. On a eu des bons retours et ça tue, franchement. Et ouais, on a envoyé un petit truc comme ça. D'ailleurs, il y en a une de prête encore et une en cours. Je sais pas si ça sortira, quand, comment. Aucune idée, mais en tout cas, ouais, j'ai sorti un truc sur Haute Culture. Vous pouvez toujours aller voir. Banks Volume 1. Et alors, ouais, t'as des futurs projets, genre la suite ou des trucs comme ça? Dans la suite, là, j'ai envie de me perfectionner sur la scène. On essaye d'évoluer dans l'image, on va essayer de donner notre image de nous et plus, tu sais, des petits, des bécanes, de la tour, des flics, tu vois, on va essayer de donner une image plus professionnelle. Voilà, c'est ça qu'on vise pour l'instant. Ok, puis alors toi, t'as fait un remix de Je suis passé chez So, il me semble. Ouais. Le 3, je crois bien d'ailleurs. Ouais. J'ai vendu des grammes pour faire comme les grands, mais maintenant je suis maigre. Mais là, ça y est, je vais passer l'écran et si ça marche pas, je retombe plus grave. Et Sofiane, il a fait un concept que tu dois connaître, je pense, c'est rentre dans le cercle. Ouais, ça donne la chance aux rappeurs de différents niveaux, tu vois. Ouais. T'en penses quoi de cette initiative? Franchement, je trouve ça tue. Malheureusement, et c'est normal, il ne peut pas faire venir tout le monde, tu vois. Mais je trouve que c'est un putain, mais tu vois, vraiment un truc de fou, carrément. C'est un putain de concept. Et je pense que beaucoup de personnes... au placé, devrait prendre exemple sur lui. Parce que, t'es fou, ça regroupe tellement de personnes, ça met en avant tellement de personnes, des talents cachés, tu vois. Franchement, c'est un gros concept. Voilà, force, quand même. Et si un jour tu reçois une invite, t'hésites pas, non? J'y vais direct. Ouais, bien direct. Vu. Faites-moi rentrer dans le cercle, gros. On verra ce qui du matin. Et c'est pas la vie de flingue, gros. Puis alors, il me semble que t'as fait un freestyle pour une grosse chaîne, je sais plus laquelle exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et ça se fait comment la connexion? En fait, j'ai mon poteau qui travaille dedans, Emric, big up, on est ensemble, frérot, force. Et il travaille dedans, tant que. J'ai dit, ouais, comment ça se passe et tout. Tu vois, j'ai essayé de gamberger, qu'est-ce que je pouvais faire de nouveau à part mettre des freestyles sur ma chaîne, tu vois.
Et je parlais avec lui et tout, et je lui ai dit, tiens, tac, je peux pas, on peut pas essayer. Il m'a dit carrément, c'est gratuit et tout, nana, j'ai pas pensé à te dire et tout. Et de là, boum, c'est parti, j'ai écrit le couplet en une semaine ou quoi. Je l'ai enregistré, tout s'est fait vite. Et après, on a monté le clip, on a fait un petit truc rapide, et carrément, ça a bien pris, parce que ça m'a ramené beaucoup de gens qui me connaissent pas encore, tu vois. Et j'ai vu le retour de certaines personnes. Bon, après, ça critique toujours. Mais j'ai vu des bons retours de personnes qui me connaissaient pas, qui n'ont jamais vu C-Block, qui ne connaissent rien, tu vois. Et franchement, ça tue, ça donne des bons retours, ça donne la force à fond, quand même. Ouais, puis tu viens de Lormont, tu m'as dit, dans quel quartier exactement? Carrier, c'est Carrier. Ouais, et ouais. Alors, y a des rappeurs là-bas ou quoi? À part toi, bien sûr. On va dire, rap, on va dire, moi, je suis un artiste. Là-bas, il y a des rappeurs, il y a des petits qui rappent, qui grattent leurs textes en cachette et tout. Mais moi, je suis... C'est pas que je suis plus haut, tu vois, mais je suis plus confirmé dans le quartier que moi, je suis un rappeur, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, après, je pense que dans, comme dans tous les quartiers, il y a des rappeurs, tu vois. Il y en a, et tu parles en 10, 15, 20, tu vois. Mais après, il n'y a pas vraiment des personnes qui veulent se perfectionner dans le rap, tu vois, tout le monde écrit son petit truc, mais il n'y a rien pour l'instant. Attends, voilà. Si je ferais un truc avec, tu vois, s'il y avait un rappeur ou quoi, t'inquiète. Ouais, bien vu. Puis alors, dans toute l'agglomération de Bordeaux, niveau vu tout ça, c'est toi en ce moment. Toi, tu fais partie de ceux qui marchent le mieux en ce moment, on peut dire ça comme ça. Hein. Est-ce que tu te situes parmi les meilleurs en ce moment, ou alors ceux qui montent le plus en ce moment, sur Bordeaux, je parle. On va dire que au début de mes premiers clips, c'était, je suis monté d'un coup. J'ai fait une grosse pause qui m'a descendu mon audience, qui m'a tout descendu. Et là, ouais, on commence, depuis le Freestyle Rap Punchline, à augmenter en abonnés, à faire des vues, tu vois. Mais en vérité, tu vois, je suis pas trop dans les vues. Enfin, tu vois, j'aime avoir des vues, j'aime les commentaires, les critiques et tout, parce que ça aide à évoluer. Mais là, je suis plus dans la qualité du travail. C'est pour ça, tu vois, je mets du temps. Et une fois que j'estimerai que ce son, il a une qualité, et que celui-là aussi, et que celui-là aussi, et eh bien là, j'enverrai, et là, on se concentrera sur les vues, tu vois. Mais il y en a beaucoup, tu vois, qui font beaucoup plus de vues que moi. Après, les vues, ça ne veut pas dire plus écouté, tu vois. C'est juste que tu as plus de soutien, plus de personnes qui te partagent. Mais je suis, d'après ce qu'on me dit, les retours qu'on me dit, je suis un des artistes les plus écoutés, et carrément, ça tue. Mais après, je ne me place pas le meilleur de la ville ou quoi. C'est plus de l'ego quand je dis ça dans certains sons. Il y en a, ils sont beaucoup plus forts que moi, que ce soit dans la ville, dans la France, tu vois, dans partout, dans le monde. Mais après, c'est pas le même délire. Donc, dans mon délire, je suis le meilleur. Après, si je suis le meilleur de la ville, il n'y a que les gens qui peuvent le dire, tu vois. Voilà. J'aime pas me soulever tout seul. Ouais, bah ouais, normal, bien vu. Puis, voilà. En général, il y en a plein en ce moment, enfin, des jeunes rappeurs, tout ça, qui utilisent des sites comme Demolition ou tout ça pour être dessus. T'en penses quoi, toi? T'as déjà pensé à appeler des réalisateurs comme ça? On va dire que j'ai trouvé mon équipe depuis pas très longtemps, tu vois. J'ai trouvé mon équipe il n'y a pas longtemps. Du coup, je suis bien avec eux, tu vois, je suis calé. Tout est carré, tu vois, on fait des choses bien et tout. Et ouais, j'ai déjà contacté Demolition. C'est un financement. C'est quelque chose, tu vois. Je crois que c'est 500, 700, je sais plus. On a déjà pensé, mais tu vois, c'est comme je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est j'attends un truc de qualité, tu vois, que je me dis, tiens, ça, ouais, il peut aller sur Demolition, tu vois, parce que sur Demolition, il y a beaucoup de personnes, ça veut dire que si je fais pas la différence, je suis grillé, tu vois, c'est mort carrément. Donc j'attends le bon moment avec le bon son, et voilà, on verra, mais ouais, j'ai déjà pensé, ouais. C'est un bon plan. Ok, puis maintenant, une question que je pose à beaucoup de rappeurs, est-ce que tu as un top 3 de tes rappeurs préférés? C'est difficile, mais j'en ai un. On va dire que le premier, parce que pour moi, c'est une base, on va dire que le premier, c'est Rof. Rof, et les gens de mon entourage, ils savent, c'est Rof. Après, le reste, je peux pas te dire, lui, c'est 2, lui, c'est 3. Mais, c'est compliqué, frérot. Je sais qu'il y a Rof de base, c'est la base. Après, il y en a trop, frère. Je peux pas te citer, tu vois. Je sais pas. Je sais pas comment. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas. Il y a que Rof. Après, le reste, je peux pas te dire lui, il est meilleur que lui. Parce que, non, en vrai, ils sont tous au même niveau. Mais la base, c'est Rof. Voilà. Dans mon top 3, il y a Rof. Après, le reste, ils sont tous au même niveau pour moi.
Puis vas-y, la dernière question. Est-ce que t'as une équipe de foot préférée? Marseille. L'OM. Real. Ouais, Real, OM. Marseille avant le Real. Mais ouais. Ok, bah bienvenue à toi, Cibloc, hein, pour la participation. On est ensemble, frérot. Je te laisse dire tes réseaux sociaux, tout ça, où on peut te retrouver. Snapchat, Cibloc33, tout attaché. SIXBLOCK33. Facebook, CibloCZG. Instagram, CibloCOff. Et c'est tout, carrément. Je crois que j'ai rien oublié. Instagram, Snapchat, Facebook, non, c'est tout. J'ai pas Twitter, j'ai rien. Ok, bien vu en tout cas, merci à toi gros. On est ensemble frérot, force à toi surtout, à fond la caisse, voilà, t'es un bon. Merci, ça fait plaisir. On est ensemble frérot. Famille écartée des réseaux sociaux, de mes pleins pro écartés aussi. Je pense à demain, je deviens soucieux, grâce à Dieu tout va bien jusqu'ici. Les coups de couteau m'ont rendu douteux, les coups de couteau m'ont durci. T'es déjà réfléchi, j'ai appris, peut-être je négocie.